Plainte qu'il a déposée à l'AMSO, il finit méticuleusement étudié avec nous, hommes de loi, conformément à la loi. Il dit, nous, référez-nous à AMSO pour tel, tel, tel acte. Et AMSO pour besoin agir et nous peut demander à AMSO de vérifier à travers nos documents avec ce officier autorisé ben, l'état dans lequel les sont mis en captivité et l'état de man cellule et est-ce que il favorise un épanouissement, est-ce que je ne jette pas dans une sorte de captivité restrictive et punitive quand je peux souffrir plus qu'ils aient. Et déjà, maltraitance, cruauté envers animaux, déjà en vigueur à ce moment-là. Et là, je me pose la question, si pas dans les autres fermes, si tu n'as pas encore un en captivité, vous arrivez à tout ça là. Le commence pour le commencement, c'est la ferme qu'on a constatée à Henrietta. Pour plus de vidéos, cliquez sur like, abonnez-vous en cliquant sur subscribe et activez la cloche de notification pour rester informé.